Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre série originale, voilà, sur Police Imperio Tactique, Tactique Police Imperio, Police Tactique Imperio. C'est mieux comme ça, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour quasiment la fin du jeu. On a tout simplement quasiment débloqué la fin. Bougez pas, je vais y arriver à trouver mes mots, c'est juste que à ce jeu on peut pas tout faire en même temps, et donc je dois choisir entre jouer et vous parler. Non pas que vous n'êtes pas important, les amis, hein. Non mais tout simplement, voilà, en gros on vient de débloquer le dernier quartier. Voilà, tout simplement, je vais vous le montrer dans quelques instants. Regardez, hop, il est tout en bas, on va y arriver. Tadalin, c'est un peu le quartier, hein, en mode Times Square, building, voilà, vous voyez un petit peu le quartier d'affaires, tout ça. Et donc là, déjà, c'est un autre bousin. Hein. On n'a pas affaire à la même criminalité, on est plus dans l'escroquerie, etc. Donc, hop, on va gérer ça. Bougez pas les copains, parce qu'il y a pas mal de choses à faire actuellement. Hein. Voilà. Hop, on va partir plutôt là-dessus. Et toi, plutôt là-dessus. Voilà. Faut régler tous les problèmes là, hein. Excusez-moi, hein, je suis au taquet du coup. Voilà. Tous dans le véhicule. Les enquêteurs sont attaqués. On enchaîne du coup avec une autre affaire qui est en haut. Et faut résoudre évidemment du coup les affaires sur le secteur. Résoudre encore 4 affaires pour pouvoir avancer. Et donc je pense que ça va être assez sympathique. Là faut retrouver, hein. On va faire le drug deal. On mettra éventuellement quelqu'un si on a du time. Je précise encore une fois, si on a du time. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Retour au QG, mon gars. Ok. Bon. Ok, donc là, il y a du popol aussi. Voilà, c'est parfait. Hop, tout est arrêté. On va camper par là. Est-ce que toi, tu peux aller là, du coup? Voilà, ça pourrait être sympa. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mets-toi là plutôt. Hop, pour la caméra. On va passer en mode normal et on va faire descendre nos unités, les amis, pour faire les interrogatoires des témoins oculaires. Hop. Voilà, on est plutôt pas mauvais, encore une fois, dans cette histoire. Et on a débloqué des trucs, d'ailleurs. On va faire un point rapidement. Parking. Parking, parking, on peut racheter des véhicules. Et ça, c'est le grand plaisir quand même. Ah non. Le mec, il se tape un bide tout seul. Ah non. Ah non, non, en fait, on t'a pas dit. Hein. Ah non, 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 c'est une mauvaise idée, gros. Hein. Voilà. J'apprécierais avoir d'autres types de véhicules, j'avoue. Même si cela fonctionne très très bien. Hein. Voilà, mais bon. Si, accessoirement. Ok, bon, regardons un peu ce qui se passe. On va arrêter ces gens, là, voilà, hein. Là, ça nécessite peut-être, on a un robbery. Donc en gros, on a un casse en cours. Voilà. Ici, à la limite, toi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te mettre en mode contrôle. What? Qui se barre? C'est toi là-haut qui se barre. Hop, allez go. Alors je sais pas où il est en fait. Je sais pas où il s'est barré, ce con. Bon là ça a rien servi, d'accord. Y'a un mec qui se casse. Ah bah on l'a eu, super. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va bloquer un peu le quartier, on va faire des inspects vite fait. Là, du coup, toi, tu peux retourner en patrouille, on va dire résidentielle. Toi, tu peux rester sur le centre-ville. Voilà. Et là, il nous faudrait nos petits copains qui sont super forts. Qui nous fassent un petit peu rêver. Hop. Voilà. Tous dans le véhicule, on va s'occuper de celle-là. Et après, on va lancer la mission, les copains. Voilà, tout simplement, parce qu'on est à la fin du jeu, quasiment. Je le rappelle. J'aime bien rappeler ce genre de détails. Hop. Voilà.
Hop, et toi, bah, fais l'aéroport, j'ai envie de te dire. Non, toi, va gérer ça, là. Ok. Allez, on va se déployer ou pas? Non, on n'a pas le time, hein. On n'a pas le time. Allez, on n'a pas le time. Du coup, on va dispatcher rapidement les units. Pas se prendre la tête. Patrouille sensible. Hop, et toi, centre-ville, du coup. Hop, voilà. Désolé, les copains, on n'a pas le time. Voilà. On a personne en haut pour ça, là? Non. Bon, c'est pas grave. Ok, là du coup on va avoir du monde sur cette inter d'ici. Bah voilà, ça y est, c'est déjà là, j'ai envie de dire c'est génial. Hop. Tac. 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 On va faire un point rapidement sur nos agents. Ce que je vous propose, hein. Hop. Il y a beaucoup d'agents qui ont level up, vous l'avez vu, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Donc on va s'y prendre autrement. Là déjà il nous faut du monde là dedans hein, on va pas se prendre la tête. Voilà. Il nous faut du monde en SWAT. C'était l'objectif. Voilà, super. Hop. Il nous faut du monde en SWAT encore. Voilà, SWAT on est complet. Il nous faut de la scientifique. Alors quoique en même temps là on peut Voilà. Voilà, super. Ok, donc du coup, là, c'est pas mal. On est pas mal du tout. Tac. Tac, tac, hop. On est bon en infiltration. On est bon en pas mal de choses. Hop. Tac. Toi, du coup, tu peux passer en arrestation aussi. Bah là ça se passe bien aussi hein. Hop. Et puis on va lancer la mission. Je pense bah voilà, on va la lancer tout court hein. Je sais pas ce que vous en dites. C'est parti. L'appel du démon. Mieux vaut ne pas ébruiter ça pour l'instant. Envoyez une unité chez Ducard et arrêtez le bureau de brigade entier niveau 3. Bureau du SWAT niveau 3. Allez, on va envoyer un peu de monde. Par contre, je veux juste quadriller un peu le secteur. Au cas où ça part en couille, tu vois. Hein, faut pas non plus abuser. Voilà. Là, on a une petite inter. On va pas se gêner. Voilà. On a un peu de monde là. Petite inter de merde là qui nous attend. Faire attention. Allez, on va intervenir chez Ducard. Il y a une jolie maison Ducard, hein. Standing by. Moving. Understood. Moving. Allez, on va le chercher. L'appel du démon, Ducard n'est pas chez lui, le bâtiment est vide. Et dans le noir complet. C'est moche. C'est moche, messieurs, dames. Allez, hop, on part sur cet inter, là. On est... Alors, monsieur Croft, posons l'hypothèse. S'il existait une hiérarchie entre les chefs de quartier et que nous avons arrêté Anderson, serait le mieux passé pour connaître le plan de Ducard, voir l'endroit où il se cache. Oui ? Je suis d'accord avec toi, copain. Hein. Je suis vraiment d'accord. Et vraiment, hein. Par contre, ça ne dit pas. Oh, faut trouver, relou. Hein. Ah, je traite pas les trucs comme ça. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que. Il n'y a rien de plus qui se fait, quoi. Ah, bah voilà, d'accord. On nous signale deux hommes d'affaires retrouvés morts dans le quartier des affaires. Envoyez tout de suite vos experts. Ok, d'accord. On va faire ça comme ça. À toi, banal patrouille d'aéroport. Ok, donc c'est ici. Très bien. Et nos gars étaient là de mémoire. On va avoir terminé dans une seconde, j'imagine.
Voilà. Voilà, super. Hop, on a arrêté des gens encore une fois. Ok. Allez, on va envoyer du monde sur cette zone. Alors, ça bug un peu. Et je crois que ça vient du fait qu'il y a un véhicule stationné dans la zone. Ce qui n'aide absolument pas, en fait. Donc ça sera fait par un gars seulement, tant pis. Très bien, très bien. Ok, donc là on va peut-être pouvoir acheter des nouveaux véhicules. Là ça y est, non, toujours pas. Non, toujours pas malheureusement. Qu'est-ce qu'on a de dispo là? Pas grand chose. On peut pas sélectionner notre pièce bonus. On est quand même vachement vachement full, hein, 12 sur 15 espace libre. Mais on a des véhicules sympas qui nous attendent, hein, je pense, très clairement. J'en ai vu des... Genre, suis... Ah, mais l'hélicoptère! Bonjour! Voilà! Il a pris l'hélicoptère. Véhicule d'intervention rapide. Ça peut être énorme. Le SWAT, ça peut être énorme, putain. Il nous faut ce genre de véhicule, hein. On va acheter deux hélicos. Voilà, parce qu'on est des gens comme ça. Voilà, donc ici, on est pas mal. D'après nos experts, les deux victimes sont l'avocat de Ducard et un comptable. L'arme du crime semble correspondre à celle servie qui a battu en gros le commissaire Riz sur le toit. Voilà. Donc ça, c'est des choses à savoir de type intéressant. Voilà. Ok, pour moi, ce meurtre est la preuve que les plans de Ducard s'effondrent. Comme un château de cartes, nous savons qu'il a joué un rôle dans le meurtre de votre père et qu'il est lié à Imperio. Que nous faut-il de plus? Deux de ses coéquipiers sont morts, tués de la même arme que l'assassin, que Reeves, l'assassin, oui, que Reeves. Nous devons attraper Anderson. Très bien, bon. Tac, et Anderson, il est où pour l'instant? Bah, il n'y a pas d'Anderson, ça va peut-être tomber d'ici quelques secondes, il n'y a pas d'angoisse. On est prêt, ne vous en faites pas. On a des hélicos qui sont au départ. Ah, on dirait que Ducard se débarrasse. Hop, des témoins potentiels. Nous venons de recevoir un appel d'un directeur de banque qui travaille pour le chef de quartier, James Anderson. Celui-ci est aussi le PDG d'une banque locale. Le directeur demande notre protection en échange d'informations sur son patron. Pas de temps à perdre. Ok, donc là on va tout simplement envoyer une bonne unité. Sur le secteur. Voilà. Les rats abandonnent le navire. Ducard perd tous ses soutiens et ses sous-fifres. La racaille sent toujours quand ça commence à sentir le brûlé. D'accord. Là, on va voir rapidement. Voilà. Ça a monté dans le bâtiment et on va regarder la scène de crime ici. Tout simplement. Ah putain, nous arrivons trop tard, le directeur gisait mort à côté d'un coffre ouvert. Nous devons jeter un œil à son contenu, mais nous ne pouvons rien toucher avant l'arrivée de nos experts. Faites venir au plus vite. On a déjà un gars sur le secteur. Ok, bon. On fait un point rapidement sur tout ce qui traîne aux alentours en type intervention. Toi, c'est bien que tu retournes au QG. On a deux hélicos en théorie qui nous attendent sur secteur. Voilà, on va pas cracher dessus, encore une fois. Ce serait bien qu'on les utilise, ces hélicos. Combien de place ça prend, ça? On peut mettre des gens là-dedans? C'est pas du tout. Oui, d'accord, ok. Non, apparemment non. Apparemment non. Par contre, pour la recherche, ça peut être assez intéressant. Je sais pas comment ça marche, on va regarder un peu.
D'accord, ok. C'est juste pour nous assurer un visuel. Très bien, bon. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, on n'a pas des masses. On n'a pas des masses d'unités sur le secteur. Ouais, juste, tais-toi, juste. Là, c'est pas le moment, là, s'il te plaît, me stresse pas. On a deux flics ici. Hop. Voilà, là, ça suffirait. On y va. Ok, donc, me stresse pas, on a dit. Voilà, c'était ça, ma phrase. Et là, c'était par ici. Il y a encore quelqu'un là, voilà. Hop. Ok. Et on a le mec apparemment, très bien. Donc toi, tu vas intervenir là-bas. On a pas mal de choses en cours là, hein, les amis. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Voilà, on va neutraliser ça. On a quoi d'autre sur les dents? Là, on a un hélico. Faut juste neutraliser ça, on peut se gérer très facilement. Ça aussi, on peut gérer très facilement. Ici, on a des unités qui ne servent à rien. Hein, tu sais quoi, copain? Donc, tu vas partir sur ça. Toi, c'est QG. Enfin, pas spécialement, tu me diras. Hop. Alors, ça peut être intéressant, l'hélico, pour retrouver un peu à... Des mecs qu'on cherche en hauteur, je sais pas si ça peut jouer, mais en tout cas, si c'est le cas, ça peut être vraiment très très bon. Niveau témoin, ah voilà, j'allais dire, c'est assez limité. Ah, attends, faut mettre des types qui ont du niveau peut-être. Voilà. Voilà, ouais, faut mettre des gens qui ont du niveau. Hein. Donc on va faire travailler uniquement ce gars. J'ai repéré ça il y a pas longtemps. À deux suspects à neutraliser ici dans la vieille ville. On va voir si on a quelque chose à faire. On peut gérer. Allez hop, on peut gérer, on gère. Ok, on a quelqu'un. À interroger ici. Voilà. Ensuite, on en est où sur la mission principale? Elle est là, la mission principale. Et il y a 11 gars qu'il faut gérer. On devrait être pas mal avec ça. On va compléter. Avec un petit hélico force de fun, hein, j'ai envie de dire. Ça devrait être pas mal. Là, ça serait bien de renforcer les itinéraires, les gars. On se redispatche un peu. Voilà. Ok, on fracasse des dents, là, c'est bon. Ok. Mission 28, l'appel du démon. Ok, sans surprise, les empreintes de Dukar sont partout. On dirait qu'il ne cherche même plus à couvrir ses traces. Nos experts ont également trouvé des documents qui lient James Anderson au crime de Dukar et qui prouvent qu'il a joué un rôle central dans le blanchiment de tout cet argent. Nous allons tenter de convaincre le tribunal de délivrer un mandat de perquisition contre la banque. Ok, bon, il y a pas mal de choses qui se mettent en place du coup. Hop. Tac, on va renforcer un petit peu du coup encore une fois le business.
Ah, faire atterrir l'hélicoptère, ce qui fait que... Alors moi je découvre hein, ce truc, je suis désolé, hein, je... Voilà. Il peut atterrir ici, d'accord. Donc là il va atterrir, est-ce que je peux faire monter des gens dedans? Non, je peux toujours pas. Mais je peux le faire atterrir, c'est déjà cool, non? Ok. Ah, il me coûte de l'argent par kilomètre. Alors, faut faire attention à l'utilisation du bousin quand même, du coup. Hein. D'accord, faire gaffe, faut pas l'utiliser n'importe comment. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir quand même. Hein. C'est bon à savoir. Très bien. Donc, en effet, je pourrais par exemple remplacer certains véhicules par d'autres. Voilà, par exemple, j'imagine que je pourrais les revendre. Regardez un tout petit peu. Non, non. Ok, attaquer, non. Voilà, je pourrais, j'imagine, vendre le véhicule et pour en acheter d'autres des plus rapides. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire? Je doute. Voilà, je vais pas vous mentir, je doute un peu. Evidence collected. Tac. On va enchaîner du coup, les amis. Hop. Tac. Contre la montre, nous avons un mandat de perquisition pour le siège social de la banque de James Anderson. Faites venir le SWAT. Où est-il? Il est là. Ok. Donc on est censé avoir des grosses forces de SWAT hein, quand même, je précise, ce qui n'est absolument pas le cas. Du coup, hein, on va ramener du monde. Hop. C'est le bordel là, oh. Les gars, contrôlez-vous là. On est en inter, faut pas déconner. Tac, je vais regarder rapidement. Est-ce qu'on n'a pas des unités qui peuvent s'exciter tranquillement? Voilà. Tac. Hop, voilà. Normalement, on a quelque chose qui se passe dans le coin. Voilà. Et voilà. On va pouvoir y aller, les gars. On devrait être bien. Ça va être compliqué, mais on devrait être bien. Ça shoot. On y va en mode renfort. Ça shoot un peu. Ça tire très fortement. On perd des unités. Ça run. On l'a eu. Nous avons réussi à sauver tous les otages et à arrêter James Anderson. Apparemment, c'était une diversion pour gagner du temps et permettre à Ducard de prendre la fuite. Il se dirige vers l'aéroport. Là pour le coup l'aéroport il est où copain? Il est là. Bah, écoute, hop, résoudre 4 affaires, on va mettre du renfort hein, sur le secteur. Est-ce qu'on peut encore avoir des gens là hein, ça serait intéressant d'embaucher, voilà, tout simplement. Hop, un peu de SWAT aussi j'avoue. Voilà, ce serait intéressant. On va faire des rondes aéroport. Voilà, on va renforcer les rondes aéroport. Hop, voilà. Tout simplement. Ici, on va chercher les collègues. Tiens, hop, tant qu'à faire. Voilà. Là, on a quoi? On a district 2, centre-ville. Prends centre-ville. Hein. Toi, tu peux reprendre du coup patrouille sensible. Toi, tu peux reprendre nouvel itinéraire qui équivaut à ça. Là, tu peux gérer ce truc. Ok. Là, je crois qu'on est dans la merde ici. Ah, il travaille dessus, très bien. Il travaille dessus. Il nous manque du coup un véhicule qui est là, qui devrait aller là. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Regardez-moi ces statistiques, comment elles sont magnifiques. C'est plutôt pas mal, centre-ville on gère, banlieue on gère. Après on pourra améliorer mais bon objectivement là là je trouve que c'est déjà pas mal. Alors
Toi, tu vas monter là-dedans. Voilà. Et là, je crois qu'on peut plus embaucher des masses. Non, on peut plus embaucher des masses. On est au max. Hop. Bon, après, il y a tous les gens à améliorer. Encore une fois, plus je les améliore et plus ils me coûtent cher, faut que je fasse gaffe quand même. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce niveau-là, encore une fois, de les faire améliorer? Je ne sais pas. En tout cas, je le ferai en off, au besoin. Voilà. On va voir au port, il n'y a pas grande activité sinon. Standing by. Ok. Là, on est sur quoi? Hop, on vient d'arriver. Yes. Faut résoudre encore une petite affaire et on va pouvoir passer à la mission suivante. Voilà. Copy that. Standing by. Standing by. Yes. Reporting in. Hop. How may I help? Reporting in. Plutôt pas mal. Reporting in. Alors par contre pour les enquêteurs, oui, il y a un réel intérêt parce qu'il y a le niveau par rapport à l'interlocuteur d'en face très important. Peut-être également pour l'anti-émeute, ça peut être intéressant. Pourquoi ils sont là eux? J'ai pas compris hein. Alors, est-ce que là par exemple si j'envoie un hélico, ça peut être intéressant ou pas? C'est la question qu'on se pose. On va tester, hein. On va tester. L'hélico est en approche. Est-ce qu'il peut contrôler à distance ou quoi? Je sais pas. Il contrôle un peu, je pense, ouais. Si je lui dis de ça. Ouais, il sert pas à grand chose, j'ai l'impression en fait. Il sert pas à grand chose, quoi. Ok. Très bien. Ici, on me demande de le checker, mais avant ça, on a peut-être l'opportunité, les amis, quand même, de tac, tac, tac. On va regarder, analyser la mission 30, la naissance d'un héros. Nous devons l'arrêter du car avant qu'il ne monte dans son avion. Pièce bonus du SWAT, bureau des agents d'infiltration niveau 3. Et il est où? Ok, on doit avoir du monde normalement sur le, la zone de l'aéroport. Hein. On va couvrir un petit peu les différents accès. Voilà. Ça devrait aller très vite. On a prévu les effectifs nécessaires. Hein. On va essayer de se barrer évidemment. Ok. Alors on converge vers lui. On a même un hélico dessus, je sais pas si ça peut marcher par contre pour y coller la pression. De toute façon là il est bloqué. Hein. Il est bloqué. Ouais il se rend, ouais c'est mort. Il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire le gars. Rien du tout. Voilà. Alors, Ducar a été neutralisé, il a été blessé mais en vie, je suis sûr qu'il y a un tas d'informations passionnantes à partager. Vous avez été parfait, Croft. Ok, donc on a encore débloqué des choses. Ah. Donc là, on l'a arrêté, on le voit directement sur les BD. Hop.
Je suis impressionné. Je vous ai vraiment sous-estimé. Contrairement à votre père, vous avez aucune idée de ce qui lui est vraiment arrivé. Je me trompe. C'est moi qui l'ai tué. J'ai également commandité l'assassinat de Reese. C'est également moi qui dirige Imperio depuis toutes ces années. Ces deux-là, je ne pouvais pas s'empêcher de mettre le nez dans mes affaires. Ils compliquaient inutilement les choses. Quant à la police, quand la police a tenté de nous mettre la main dessus, nous n'avions pas le choix. Nous devions disparaître. Par je ne sais quel moyen, John a quand même découvert que j'étais le chef de l'organisation. Il m'a retrouvé et je l'ai tué. Que voulez-vous, c'est la vie. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Je me suis occupé du père et des années plus tard, c'est le fils qui s'occupe de moi. Vous allez devenir un vrai héros, Croft. Ok, donc là ils sont emmenés en EMS. Parfait. Voilà. Et il meurt. Tout simplement. Nous y voilà, Croft. Notre ville est à nouveau habitable. Mais de nouvelles menaces feront bientôt surface. Continuons notre travail pour nous assurer que cette histoire ne se reproduise plus. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et là, je pense sincèrement que le jeu est terminé, les amis. On va bien voir. Hop, progression actuelle. Résolvez toutes les affaires. Ouais, effectivement, ça continue. Bon, bah les amis, voilà, on a terminé le jeu. J'espère qu'il vous aura plu très clairement pour un jeu indépendant. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. C'est un très bon jeu, extrêmement complet, pas si simple, très clairement. Voilà, faut qu'on soit très très clair. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait vraiment plaisir de vivre ça avec moi. En tout cas, mon gars, j'ai bien kiffé. Voilà, vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'était un vrai plaisir. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures, vous le savez désormais, il n'y a pas de soucis, et puis bah, je vous dis à très très vite, allez, peace!